Ici Eden Versio, du Raider Imperial Corpus. J'envoie ce signal de détresse à l'Alliance Rebelle. Nous nous rendons. Contactez le général immédiatement. Donc tu t'es dit que c'était un piège, mais tu les as quand même fait monter. Tu passes ton temps à me dire de prendre des risques. Ça m'a semblé être la chose la plus irresponsable à faire. Excellent. Bonjour. Je suis le général Lando Calrissian. Et j'imagine que vous devez être les déserteurs impériaux dont on m'a tant parlé. Général, nous avons déjà dit à vos hommes tout ce que nous savions. Allons faire un tour. Très bien. Salut tout le monde, c'est Megabot. Aujourd'hui, épisode 5 du Let's Play, c'est parti! J'ai fait un pari. Shreve pense que vous êtes des espions impériaux. À votre avis? Je crois que vous avez peur et que vous êtes en fuite. Écoutez, vous nous avez renseigné sur l'opération Cendre. En échange, je vous offre 2 chasseurs, rien pour vous. Attendez, vous nous laissez partir? Bien sûr, changez de vie. Trouvez un endroit sûr. Un endroit où vous pouvez nous surveiller? Nous avons d'autres préoccupations. On vient d'apprendre que l'opération Cendre va frapper Naboo. Vous devez l'arrêter. Je pense qu'on peut y arriver. C'est faux. L'Empire est en train de changer, et ses méthodes aussi. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas venir avec nous? Aidez-nous à sauver Naboo. Nous ne sommes pas là pour rejoindre la rébellion. Personne ne vous le demande. C'est une chance unique. Vous pouvez partir maintenant, ou nous aider à arrêter ça. Vous nous laisseriez nous battre à vos côtés? Que voulez-vous? Je crois sincèrement aux secondes chances. Venez, je vais vous montrer vos vaisseaux. On ne sait même pas comment piloter un X-Wing. Rien de compliqué pour les forces spéciales. C'est quoi les options, Eden? Alors, quelle est votre réponse? Ok, bah ça y est, enfin on pilote des X-Wing. Parce que chasseur TIE. Alors comment on change de caméra? Attendez, je regarde juste. Parce qu'on m'a beaucoup demandé de me mettre en vue FPS. Ah, non. Ok, c'est bon. Voilà, parce que vous verrez pas la vue FPS dans les chasseurs TIE, dommage, mais bon, au moins vous avez X-Wing, c'est déjà pas mal, hein. Ah là là. Bon, par contre, les combats spatiaux, je pense que je vais mourir au moins une fois, hein, ça c'est sûr. Hein. Chaque fois, soit je me prends tout le temps un truc, soit je meurs jamais par des vaisseaux, mais je me prends tout le temps un obstacle, quelque chose. Ah, c'est ça qu'il faut détruire, d'accord. Ouais, non, c'est pas ça qu'il faut détruire. Ah si, c'est bon. Oula, attendez. On peut pas freiner là? Comment on freine? Comment on freine? Ça y est, je passe mon permis là. Attendez, comment on freine? Ah ok, on accélère avec ça. D'accord, ok. Bah excusez-moi, j'oublie. Hein, ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué. Et bah voilà. Simple comme bonjour. Plus vite on détruira les autres satellites, plus vite Tilt sera en sécurité.
Entendu, princesse. Danger 5, Danger 6, n'oubliez pas que vous visez des chasseurs TIE maintenant. Bien reçu. Merci de nous le rappeler. Sur votre position, leader Danger. Ouais, on est avec vous, Shrimp. Très bien. On a rappelé à l'Empire à qui il a affaire. Ok. Alors là, il y en a 3 à détruire, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Pourquoi c'est à l'os ? Ah d'accord, faut viser ça pour que ça se détruise plus vite, d'accord, mais expliquez-moi de dire ça. Mettez un panneau à côté, visez ça et ça explosera plus vite. Bon, il y en a encore combien à détruire là ? On a presque terminé. Ah mais c'est ce qu'on a vu là dans l'épisode, bah dans le dernier épisode. Okay. Ah mais ouais, ok, bah j'avais oublié ça. C'est ça qu'il faut détruire. Ah oh, tous les vaisseaux qu'il y a. Je vais me concentrer sur ça, ce sera déjà pas mal. Hein. Ah punaise, ouais. Faut que je vise plus souvent parce que je pense jamais à viser dans les trucs. Bien reçu, chef d'escouade. Satellite HS. Je pense que je vais me prendre un truc là. Non, c'est bon. Il reste des satellites à abattre. On va se charger du dernier. Vous, occupez-vous de ce destroyer stellaire. Les renforts clés sont là. Les bombardiers y fréquent. Alors par contre, je sais pas vous, mais la doubleuse de Leia me dit un truc. Je suis sûr d'avoir déjà entendu sa voix quelque part. C'est très rare que ça me dise ça, mais ça me passe ça, mais ça me dit un truc. Mais j'ai l'impression également que les phases là dans l'espace, c'est toujours la même chose, je trouve, Tatiana. Ça change jamais. Mais bon, c'est pas grave. Après, bon, plus il y en a, plus on aime. Hein. Enfin, ouais. Bon, par contre, je galère énormément avec la vue première personne. Hein. C'est beau, t'as moins de... C'est moins... Tu vois moins, quoi. C'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est pas simple. Hein. Ah, punaise, j'arrive pas. Oh, j'arrive pas, mais non, mais c'est impossible. Eh, je vais changer. Non, je vais pas changer. Je vais pas changer de lune. Je ne changerai pas. De toute façon, je vais essayer de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Ceux qui veulent la vue première personne et ceux qui veulent la vue normale, bah, je changerai dans les épisodes. Là, je vais rester un petit peu en vue première personne. Mais... Ouais, vu comment je galère, je pense que... Putain, mais... Oh, ils veulent pas que je les détruise ou ça passe comment, là? Ouais, faut que je vise, c'est beaucoup plus simple quand je vise. Ouais, c'est mieux. Je vais essayer de viser un peu plus. Allez! Hop! Ça c'est fait. Allez, les TIE là, ça dégage. TIE en approche. Allez! Détruisons-les! TIE, ça dégage. Attention, allez hop, ça dégage. Allez. Il faut que je compte. C'est que je... Non, j'ai... Bon, bah, c'est. Y'a que ça, quoi. Hein. C'est ça la mission, c'est juste détruire des TIE. Parce qu'il y avait concentrer vos tirs sur les boucliers machin là. Imagine, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et depuis tout à l'heure, je. Non, protéger les X-Wing, donc c'est bon. Et Y-Wing. Je confonds. Excusez-moi, mais je confonds. Alors, c'est vraiment pas que. C'est pas que c'est long, hein, mais c'est. Ce serait bien que ça s'arrête un jour, quoi. Alors. Attention, vaisseau ennemi en approche. J'ai du mal à le tuer celui-là. Oula. Eh, j'aime prendre un truc là, si ça continue. Ça y est, je ne comprends rien avec cette vue première personne, ça y est. Oh, eh, vous m'en voulez pas, hein, mais je... Je retourne en vue normale. Juste maintenant. Qu'elle a encore plus maintenant. Super. Ça change vachement grand chose. Hein. Ah non, si, ça change quelque chose. Ah oui. Oui, d'accord. Là, il y a une amélioration. Là, on est mieux. C'est mieux qu'avant. Là. Mais vous êtes encore combien, là? Parce que c'est pas que... Ils ont mis toute leur flotte dans chez nous, ça se passe comment là? Bon, toi t'es mort, hein. Toi t'es à moi, toi t'es mort. Voilà. Il reste encore... Oh, il est en bas, mais non. Il est en bas. Enfin, il est sous le vaisseau, quoi.
Allez, ça, on fait des loopings. Allez, looping. Olé. Oh, mais je fais un carnage. D'accord, donc, ok, on a presque fini. Je pense qu'on a presque fini. Mais vu la barre, là, protéger les Y-Wing, comment elle est pas très remplie, je me dis, ce serait bien que ça se finisse, parce que sinon, j'ai pas envie de recommencer cette mission. Mais vraiment pas du tout. J'ai pas du tout envie de la recommencer, celle-là. Parce que pour une fois que je ne meurs... j'ai failli mourir, hein. Pour une fois que je ne meurs pas... Allez, toi, ça dégage. Je crois que c'est fini. Je crois que c'est bon. Enfin, on a fini. Yes. Oh là, mais c'était long. Restauration, vous pouvez attaquer. Tous les autres, repliez-vous. Seul à voir ce destroyer stellaire brûlé. Le protocole impérial est de se mettre à l'abri dans un endroit sûr. Ces vaisseaux se dirigent droit sur Tid. Ils vont s'en prendre à la ville. Que tout le monde rejoigne Tid aussi vite que possible. Ça peut être une chance d'arrêter tout Danger. On ne sera que quatre. Quelqu'un sait y faire avec les machines? Oui, moi. Suivez-moi. Tid a un système de défense. Ce système nous permettrait d'arrêter l'Empire. Mais la tempête a endommagé les relais d'alimentation de la ville. Nous devons les réparer pour pouvoir l'activer. On va se séparer, puis réparer les relais. Quand on aura fini, on se retrouvera au palais. Compris? Ouais. Compris. Qu'est-ce que nous activons? Quelque chose qui arrêtera l'Empire. Quel est votre nom, soldat? Delmico. Eh ben, si on m'avait dit que j'allais contrôler Leia dans cet épisode, j'y aurais pas cru, franchement. Eh ben, dis donc. Couvert de surprises, cet épisode, hein. Enfin, moins que le dernier. Le dernier, c'était quelque chose, hein. Le 4. D'accord, c'est un peu comme l'arme d'Iden, mais en moins bien. Genre, quand tu vises, ça envoie une petite bastos. Ouais, et ça one shot. Ok, c'est comme l'arme d'Iden, à peu près. Je vais mettre un petit... Ah ouais, elle a des boucliers, Leia, c'est vrai, j'avais oublié. Je suis sûr, il va y avoir marqué protéger machin là. Je sais même plus comment il s'appelle. Del, je crois qu'il s'appelle Del. Protéger Del. Vous allez voir, dans 10 secondes. Voilà. Ah non, défendre. Défendre Del. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Du coup, j'ai mis un bouclier parce que je suppose, et je pense que ma supposition est juste, que va y avoir 10 000 Stormtroopers sur nous. Est-ce que ma supposition est-elle juste? Je suppose que oui. Ah ouais. Ah bah ça commence. Ah, oh, lui, c'est pris une baste. Oh non, soldat. Oh, je hais les soldats lourds. Ils ont 10 000 de vie et ça t'envoie. C'est balle, mon gars. Alors, c'est quoi son arme? Ah oui. Ah, d'accord. Ouais, je vois. Oui. Ah oui, là, je vois le genre. Non, je vois pas le genre du tout. Non, oubliez. Attendez, j'ai plus de vie, là. Attendez. Mais son arme est pas mal, hein. C'est juste dommage qu'on puisse pas l'utiliser à l'illimité. Mais tu vas me dire, c'est normal. Et tu as raison, si tu me dis ça. Voilà, les petites bastos, ça, on aime. Non, par contre, les soldats lourds, on aime pas, hein. Oh là là, mais bien. Oui, d'accord. Ah oui, là je comprends qu'on doit le défendre, là. Par contre, ça, j'aime pas ces grenades, comme ça fait pas de dégâts. C'est juste... ouais, j'aime pas. Oh, il m'a foncé dessus, là. Il voulait me mettre une de ses baffes. Par contre, son arme est... En fait, elle se recharge jamais, son arme, j'ai l'impression. Hein. Eh oui, elle se recharge jamais. Hein. C'est juste ta chargeur illimité. Ah, ça, c'est bien, ça, par contre. Ok. Ah, il a fini. D'accord. Et donc, ce qui implique, il n'y a pas de cinématique, il n'y a rien. D'accord. Ouais, on peut me donner une indication.
Ah ok, voilà. Merci le jeu. C'est ça. Et tant qu'on n'aura pas rétabli le réseau, ouais, mais pourquoi vous allez tous à droite là? Faut aller tout droit, non? Je sais pas. J'aime pas quand les autres ils vont là-bas alors qu'il faut. Il n'y a pas d'ennemis. Ah oui, ok, donc faut juste pas aller par là. En fait, c'est pour le décor qu'ils se battent. C'est juste pour qu'on dise waouh, il y a tellement de PNJ. Alors, par contre, faut aller par où? Parce que là, ouais. Ah, faut aller par là, d'accord, ok. Ah, c'est bon. Ah oui, allez, Bastos. Le moi aurait dit un mot, mais je ne le dirai pas, parce que ça ne se dit pas sur ce jeu. Surtout sur ce jeu, sur un autre, oui, mais je ne dirai pas quel mot c'est. Allez, hop. Oh là, mais je vais remettre tarif. Ah non, oh merde. Ah oui, là, il y a du monde. Attends, j'ai envie de prendre l'arme. J'ai envie de prendre l'arme parce que là... Parce qu'en fait, pour moi, l'arme, je vais pas m'en servir tout le temps. Je vais m'en servir vraiment quand j'en aurai du mal. Comme maintenant, tu vois, là, je pense que je vais l'utiliser incessamment sous peu, là. Ah ouais, là, je suis obligé, là. Allez. Pour moi, c'est juste une attaque, hein, donc je vais pas l'utiliser tout le temps. Parce que ça rend le jeu trop simple. Et si ceux qui me disent « Ouais, bah alors mets le jeu en normal », je ne peux pas. J'ai tenté juste avant de le faire, et c'est une galère, mais vraiment, une grosse galère, quoi. Ah, faut redéfendre d'elle, mais punaise. J'ai juste mettre le bouclier. Ok, lui, il est mort. Lui, il me saoule, par contre. Je suis obligé de prendre l'arme, hein, c'est bon. Hein, on va, ils vont pas, ils me font chier là depuis tout à l'heure. Cette arme est très bien. Faut vraiment qu'ils la mettent pour Idem Versio parce que franchement, elle me sauverait la vie. C'est moi ou le Stormtrooper que je viens de tuer? Il a fait des roulés-boulés là. Bah, je remets un bouclier, hein, casser le bouclier, c'est pas grave. Hein. J'ai juste pris des dégâts, mais bon, ça on se tait, on dirait rien. C'est chiant que ça one-shot pas les soldats lourds. C'est bon. Voilà, lui il est mort. T'as bientôt fini, Del? Parce que... Bah, ce serait cool, quoi. Oh là, je leur mets tarif. Oh là là, parce que je leur mets... Ok, il a fini. Le relais est opérationnel. Bien. D'accord. Ok, atteindre le front. D'accord. Je n'aime pas. J'ai un mauvais pressentiment tout un coup. Ceux qui ont la ref, bah, vous avez intérêt, parce que bah, c'est dans le film, donc vous avez intérêt à avoir la ref. Allez. Ah là, je suis obligé, hein, c'est bon. Il y a trop de Stormtroopers. Alliés restants. Ah, d'accord, t'as carrément un truc d'alliés restants. Ah, c'est pas des masses. Hein. Ah ouais, là, ça descend. Ah ouais, regarde comme ça descend vite. C'est un compte à rebours ou c'est les alliés? Parce que j'ai... Ah, je crois que c'est un compte à rebours, là. Ah, c'est pas cool. C'est pas possible que ça descende aussi vite, là. Attends, est-ce qu'il faut que je détruise ça ou que... Non, je vais pas m'occuper de lui parce que je pense que je fais une erreur là. Arrête de me foncer dedans, toi! Alors, attends, rassure-moi. Faut pas qu'on détruise ces trucs. Ah bah c'est bon. Ah bah le chasseur s'en est occupé à ce que je vois. Super, je vais prendre l'arme, hein. Allez. Il y a trop de monde. Eh, ne me dites pas tu joues la facilité parce que je n'ai pas le choix. Je suis obligé.
Oh là là. Mais faut. Non, mais j'arriverai pas à tous les tuer, hein. Parce que je veux bien en tuer 2-3, mais c'est tout, quoi. En plus, je loupe. Mais. Quoi, pardon? Non, t'as un autre là, attends. Comme si j'avais pas assez de mal comme ça. En plus, je balance des grenades, mais ça sert à rien, parce que ce n'est pas des grenades, c'est juste des trucs. C'est des grenades qu'il a achetées chez. Je sais pas où là. Bon, là, c'est dans ta tête, là, c'est censé mourir. Là. Oh, les bastos que je mets, par contre. Je suis obligé de mettre un bouclier. Parce que je n'ai pas le choix, je vais pas m'embêter au jour. Enfin, si, là, il m'embête, mais bon. J'ai envie de prendre l'arme hein, si ça continue comme ça. Se replier. Ouais. Bah, je veux bien m'en plier, mais. Mais regarde! Oh! Saoulé! Ça y est, je commence à rager, quoi. Mais regarde! Non, vous m'avez pas vu! Mais putain, mais. Vous pouvez pas être encore plus, je trouve que vous êtes pas assez nombreux là. On peut pas se replier ou même partir, ce serait génial ça. Ce marcheur est trop puissant. Lancement de la séquence de détonation. Entrez dans le palais. D'accord, là je ne peux pas. Bonjour, votre Altesse. Vous avez fait du beau travail, mais je n'en attendais pas moi de la part de l'escouade Inferno. Donc, vous avez parlé au général Calrissian. Vous savez que vous avez causé beaucoup de tort à notre alliance. C'est exact, Altesse. Et nous n'avons aucune excuse. Quand on vous regarde combattre, il est évident que vous ne fuyez pas que l'Empire. Tout cela vous importe beaucoup. Oui, c'est vrai. Nous avons combattu toute notre vie durant. Mais il nous a fallu bien trop longtemps pour comprendre qu'on luttait du mauvais côté. Cette guerre est loin d'être terminée. Nous aimerions lutter à vos côtés, si vous le voulez bien. Vous savez que grâce à vous et à vos semblables, l'espoir peut triompher. D'autant que c'est grâce à l'espoir que nous gagnerons. Bienvenue dans la Nouvelle République. Merci, Altesse. Sénatrice Organa, ça faisait longtemps. Bâtir une république, c'est beaucoup de travail. Tout comme traquer sans relâche une flotte impériale. Et ça ne va pas s'arranger, commandant. J'ai besoin de vous. Un de nos généraux a disparu. J'ai retrouvé sa trace sur Takodana, mais il ne répond à aucun de mes appels. J'aimerais que vous retrouviez Han Solo. Hey, Maz, tiens-moi une autre parquet, Lansling. Pas tant que tu m'auras pas payé celle que tu viens de boire. Allez, tu me connais depuis le temps. Justement, c'est pour ça que je me méfie. Où est mon Wookie? Chewie répare le faucon. Le communicateur longue portée a pris un sacré coup sur Joe Mark. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'est pas venu ici. C'est parce que tu le rends nerveux.
Je sais que vous préparez quelque chose tous les deux. Dis-moi ce que c'est. Tu sais très bien que toutes les affaires passent par moi. Je dois rencontrer un ancien impérial. Il dit qu'il peut nous aider à libérer les Wookiees sur Kashyyyk. Tu connais cet homme ? Fais attention. Si jamais à cause de toi l'Empire est attiré devant ma porte... T'en fais pas, tu sais que je couvre toujours mes traces. Allez, quoi, accepte de me donner un coup de main. Fais ça pour Chewie. Je ne connais pas cet homme. Mais il est tard. Et tu vas voir que ma clientèle peut parfois être assez bavarde. Merci, Maz. Je t'en dois une, tu sais. Tu m'en dois bien plus que ça, Han Solo. Surtout, tâche de ne pas l'oublier. On est avec Han Solo. Attends, entre Leia et Han Solo, on incarne que des bons personnages, là. Oh là là. Bah, tu sais quoi, on va s'arrêter là. Je sais que je vais en décevoir plus d'un. Mais il faut bien que le let's play dure, parce que sinon il va durer 3 épisodes. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt, pour la semaine prochaine, pour l'épisode 6. C'était Megabot. Salut.